Salut tout le monde, c'est Troforestier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bah, je suis monté au camp Bushcraft, comme vous avez pu le voir. Je suis monté un peu dans la neige, dans la bouillasse de neige, parce que tout fond en ce moment. Donc voilà. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est construire une réserve de bois. Et là, bah, je suis en train de faire cuire du lait avec un peu d'avoine, enfin des céréales d'avoine et un peu de chocolat. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le montage de la réserve de bois. Donc voilà, le début ce sera de couper un arbre. Donc moi j'en ai coupé un vieux. Voilà. Je récupérais les branches pour continuer à alimenter mon feu. Et j'ai coupé le bout, la cime, pour pouvoir continuer aussi à alimenter mon feu. Donc après avoir coupé l'arbre, vous avez plus qu'à prendre une scie, donc ça c'est ma nouvelle scie, une Baco, dans une prochaine vidéo je vous la présenterai. Et donc vous avez juste à couper toutes les branches, et une fois que c'est fait, vous avez plus qu'à... j'aurais plus qu'à la poser sur l'endroit où je veux mettre la réserve de bois. Donc, une fois que cette étape est faite, donc moi personnellement j'ai pas utilisé la scie pour finir, j'ai utilisé mon couteau Soloniac. C'est plus rapide, voilà. Par contre, n'utilisez pas un couteau pliant, hein, il va se niquer en 2 secondes. Ça a été plus vite qu'à la scie, parce que à la scie, il faut scier chaque branche et c'est très très long. Voilà. Donc après, si vous voulez faire un peu plus propre, vous découpez chaque base de branche. Bon, c'est pas ce que je vais faire, moi personnellement. Je vais la mettre entre 2 arbres, ficelés, pour pouvoir faire un des troncs qui tiendra la réserve de bois, voilà. Donc on se retrouve là-bas, et c'est bon, le tronc et les 2 arbres. Donc là, la caméra est fixée directement sur l'arbre, enfin oui, ouais, c'est ça, sur l'arbre où sera fixé le tronc là. Et donc en fait le but de ce tronc, c'est de pouvoir isoler tout simplement le bois que je vais mettre en réserve du sol, car le sol est humide, comparé à l'air, oui. Voilà, donc je vais pas faire un cours d'SVT. Donc je vais devoir placer le tronc là, je vais devoir déjà le couper en 2. Parce que je vais récupérer les 2 parties. Alors voilà, c'est bon, j'ai enfin terminé le ficelage comme je dis. Donc j'ai installé le tronc, j'ai fait des nœuds un peu spéciaux, je sais plus c'est quoi les noms, voilà. Mais le seul problème c'est que j'ai peur que ici ça soit un peu faiblard, parce que par exemple s'il y a des gens qui veulent s'asseoir aussi un peu dessus, et je vais rajouter un poteau qui est juste là. Donc je vais vous montrer tout ça un peu en détail si j'arrive à détacher de là. Voilà. Donc excusez-moi, j'ai été coupé, plus de place sur la carte SD. Voilà. Donc là j'ai fait un nœud, bon un peu à l'arrache j'avoue, mais ça tient plutôt bien. Voilà. Donc tout le long de l'arbre, tout autour de l'arbre. Après serrage mis entre sur les cordes que j'ai passées. Là un poteau que j'ai commencé à planter. Et un autre nœud à peu près propre, je pense. Je crois que c'est le plus propre que j'ai fait entre les deux. Donc voilà. Donc ça tient plutôt bien. Je suis plutôt content. Et après, je vais faire la même sorte de nœud ici, juste là, pour le poteau là. Donc après, avec ça, je pense que ça va tenir correctement. Parce que là, ce sera bientôt fini. Après, il me restera plus qu'à faire le toit, mais ça, ce sera pas bien long. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc me voilà de retour, j'ai un peu mal prévu la construction de la réserve, et c'est un peu parti en... Merde, excusez-moi, c'était ma pelle. C'est un peu parti en construction d'une cabane en fait. Je vais vous montrer. Voilà, donc si vous voyez pas trop bien, voilà, il y a 3 poutres, donc, 4 pour le toit, donc une au-dessus sur les arbres. Elle n'est pas encore fixée, hein, mais ça tient. Après 3 qui rejoignent la terre pour faire le toit, et là ce sera en fait la réserve. Il y aura une réserve qui sera ici, et après derrière ce sera une cabane une cabane pour dormir. Donc ce sera plutôt pas mal. Je pense que j'ai peut-être un peu prévu, peut-être un peu trop en hauteur, le toit. Après, c'est pas trop grave. Hein. Ce sera déjà mieux comparé à ça et ce genre de cabanes qui sont là. Voilà.
Et là, je pense que je vais continuer à la construction de la cabane. Donc voilà. Donc je ferai une deuxième partie sur l'épisode là parce que sinon ce sera hyper long. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Forestcraft parce que il m'encourage tous les jours. Enfin oui, il m'encourage tous les jours pour mes vidéos, tout ça, pour ce que je fais. Donc je voulais remercier Forestcraft, Céline Bushcraft, Tribu des Bois. The Will Stork, Mika, et je cherche encore, il en manque un, Simon Nature Bidouille, qui s'appelle maintenant Poussière d'Étoiles. Donc voilà, donc je vous remercie tous pour votre soutien. Allez, merci, tchuss.